très particulière toujours. J'ose croire que certains d'entre vous la connaissent déjà et plutôt bien. Et en ce jour très particulier qui est lié au 5 octobre et à cette première et jeune république portugaise qui collait beaucoup à la république française, nous avions décidé, les maires de Lisbonne et de Paris, de rendre hommage à cette amitié entre la France et le Portugal, entre nos deux villes, Paris et Lisbonne. Soyez les bienvenus. Uma boa noite para todos. Hoje é festa da República. E passa a palavra Catarina Vaz Pinto, que é municipal de Lisboa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En tant que représentante du maire de Lisbonne, M. Fernando Medina, je vous présente mes chaleureuses salutations, les chaleureuses salutations de la ville de Lisbonne. E agradecer ao irmão Marco Pegalan a honra que nos dão de ser a região convidada nesta gala e de vos poder facultar o acesso às melhores coisas que a vida tem, que são os produtos gastronómicos da região da Aveiro. Quero terminar dizendo que é um orgulho muito especial para mim poder associar-me às corporações da República Portuguesa na República Francesa, que defende valores, como nós sabemos, também tão caros à República Portuguesa. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, como estão? Não nos conseguimos ver para já, mas imaginamos, pelo calor humano que está nesta sala, que está maravilhoso o ambiente, e portanto cá estamos pela 8ª vez. Muito boa noite e viva Portugal! Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie, oui, d'être là une nouvelle fois à tes côtés cette année, à vos côtés également pour cette nouvelle soirée de gala. Ce soir, nous allons donc distinguer plusieurs personnalités qui, d'une façon ou d'une autre, se sont démarquées cette année par leur contribution, leur engagement et leur dévouement en tant qu'ambassadeurs de notre culture et de notre langue. E o vencedor é Rafael Costa. Dans cette salle, on est nombreux à avoir connu et à connaître encore aujourd'hui ces longs moments douloureux de pincements au cœur, de gorge qui se serre, qu'en fin août, il faut dire adieu à sa famille au Portugal, et leur dire à l'année prochaine. Lui aussi connaît bien ces moments, il a voulu les mettre en image. Philippe Machado, jeune muso-descendant, qui vient nous présenter son moyen-métrage autobiographique sur le deuil, l'enfance, le temps qui passe et la difficulté de dire au revoir.
Fiz este filme em Portugal, era mesmo especial para mim de eu fazê-lo lá, porque sou um lusa descendente e era muito importante para mim de fazer este primeiro filme tão íntimo, tão pessoal, nesta terra que é minha. O fio da navalha, o fio da navalha, oh, ah. Chamado Em Voz Alta, A Força da Palavra. Dans La Voix Haute, en fait, je parle de cette jeunesse qui vient de banlieue, où il y a des gens de tous les pays, y compris du Portugal, dont moi je fais partie. Et moi j'étais préoccupé par une chose, c'est que quand je vais au Portugal, on me dit que je suis français. Quand je suis en France, on me dit que je suis portugais. Et que finalement, il y a un enjeu important en France, c'est comment on arrive à être multiple et ne faire qu'un. Comment, dans cette génération qui est la plus métissée de l'histoire de l'humanité, on arrive à se parler. Parce que quand on est différent et qu'on n'arrive pas à s'exprimer, à dialoguer, on ne peut pas se comprendre. Si on ne peut pas se comprendre, on n'a pas d'idéal commun, on se questionne sur nos identités, notre identité nationale, nous-mêmes, à titre individuel, surtout quand on est métissé. Et quand on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas définir d'idéal commun, on ne peut pas faire société. Et avant même d'être de droite ou de gauche, en marche ou en marche arrière, l'enjeu c'est de savoir comment on co-construit le monde de demain et comment on réapprend à dialoguer. Estás a janela.
cas. Alors, s'il vous plaît, roulement de tambour. L'association ALMA, qui par son action de réseau des gardiens souhaite valoriser cette profession, nous appelons donc Elisabeth Oliveira. Antes de mais, queria agradecer à Cap Magellan et au jury pour pousser le mérite de l'association. Le prix de la meilleure révélation artistique musicale est... La, 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 j'ai promis de ne pas chanter. Donc, le prix va à Liana. Merci beaucoup pour ce prix. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout. J'étais dans les loges, on me dit « Mais vite Liana, vite, t'as remporté un prix !» Du coup, je suis là. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce prix. Ça me fait vraiment très plaisir. Et merci pour l'invitation. Voilà. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Aproveitamos para pedir uma salva de palmas para o artista Vaninger. Onde é que está o Vaninger? Pode-se levantar o Vaninger? Pode-se levantar. Ele comemora 30 anos de carreira. Parabéns, Vaninger. C'est très sympa d'avoir pensé à ces 30 ans. Je n'oublie pas que sur ces 30 ans, on a fait quand même pas mal de choses avec Cap Magellan. Merci à toi, merci à toute l'équipe de Cap Magellan. Et, bah, merci aussi à vous et puis j'espère vous voir très prochainement sur les prochains concerts ou les prochains spectacles que je donnerai. En tout cas, merci à vous. Merci. Depuis quand ? C'est une série qui explique d'où viennent les choses du quotidien. Ça va du jingle de la SNCF au sein en silicone, en passant par l'expression du genre « les vrais gens ». Il y a plein d'informations dedans, il y a aussi beaucoup de blagues. Il s'appelle David Kachter-Klopsch, il est là avec nous ce soir pour nous révéler les secrets que vous n'imaginez même pas sur « ou Pachter-Nat ». C'est dans ce magasin que les premiers pastèches ont été vendus en 1837. Juste à côté de la boutique, il y a un monastère du XVIe siècle. Ce sont probablement les moines de ce monastère qui ont inventé les pastèches de nata à la fin du XVIIIe siècle. Et pendant longtemps, ils les ont fabriqués en secret pour leur consommation personnelle. Mais en 1820, au Portugal, a lieu la Révolution libérale. En portugais, Função Liberal. Une des conséquences de la Função Liberal, c'est que les monastères sont fermés. Du coup, les moines se retrouvent dans la mer et ils se disent qu'ils vont vendre les pastèches de nata dans ce monastère. Ils les vendent d'abord tout seuls, puis ils transmettent leur recette à un monsieur qui ouvre la Pastelerie de Boulogne en 1837. Aujourd'hui, on y vend 8 millions de pastèches chaque année. Merci beaucoup. Ça me touche particulièrement de montrer cet épisode devant ce public, parce que je pense qu'il y a beaucoup de franco-portugais dans la salle. Et je pense que, comme moi, vous avez été confronté toute votre vie à ces clichés. Hein. On est tous maçons, on a même un rapport érotique avec la maçonnerie. On se nourrit exclusivement de morue. Et bien sûr, on est extrêmement poilu. Cette dernière chose, moi, a été un petit peu plus douloureuse que pour d'autres, puisque je suis effectivement poilu dans la vraie vie, ce qui n'a pas toujours été facile. Oh,
destes grandes eventos são que faltava realmente a Gala do Capitão João e, portanto, as recordações que já tive de Montgeron, Valentin, Ponte au Combo, Nanterre, seguramente que este também é um belo estado. Muito obrigado. Le gagnant Inatel ce soir est monsieur le 497. Ah, le 497. Ben, lâche pas, mais c'est pas mal. Tom. Merci à vous tous. On va donner cette petite place pour vous.